إني ألقى الإناس في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن وجميع الطاعات. إني ألقى الإناس في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن وجميع الطاعات. هل لي من الرحمن فيضا من البركات، أنجو من النيران ومخاطر الدركات. هل لي من الرحمن فيضا من البركات، أنجو من النيران ومخاطر الدركات. ويرجح الميزان ويرجح الميزان ويرجح الميزان بجميل الحسنات. إني ألقى الإناس في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن وجميع الطاعات. إني ألقى الإناس في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن وجميع الطاعات تمضي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. Bien corriger des fois des petits mots. Je suis spécialiste en rien du tout en vérité, rien de spécial. C'est pour ça que le mot il se ressemble entre spécialiste et rien de spécial. Mais à la Koulihal, c'est vrai que on a eu le bienfait, alhamdoulilah, d'avoir donc grandi dans cette mosquée. Et le cher Mohamed Jazaullah nous a poussé très très jeune à s'intéresser à tout ce qui était le domaine de la jeunesse. C'est pour ça qu'en général, on est resté rattaché donc aux jeunes. Et on a, alhamdoulilah, pris ce qu'on appelle ces quelques grammes de compétences entre guillemets ou d'expérience par rapport donc aux jeunes et ce qui peut graviter autour. Et comme vous le savez donc les frères nous ont donné le thème qui s'intitule donc la famille et les médias. Nous sommes donc la plupart des jeunes qui sont ici présents, donc on est né ici en Belgique, on est la plupart et beaucoup d'entre nous sont mariés, on a des enfants. Et avant d'être même marié, donc on a grandi, ce sujet naturellement a ce qu'on appelle une importance capitale dans le bonheur d'une famille musulmane. Vous savez, lorsqu'on parle du choix du sujet, on dit des fois que lorsque quelqu'un veut intégrer un groupe, lorsque quelqu'un veut rentrer dans votre famille, lorsqu'on a un nouvel ami, lorsque même on a ce qu'on appelle une demande en mariage, tout le monde, en quelque sorte, se lance dans ce qu'on appelle une petite enquête de voisinage. On fait des enquêtes, on cherche, on pose des questions, car normalement, une bonne famille musulmane n'accepte pas n'importe qui dans son foyer. N'importe qui ne peut pas rentrer dans une famille musulmane. C'est pour cela que même pour une demande en mariage, même si on connaît des fois plus ou moins le frère ou bien la sœur, on fait des enquêtes, on se pose des questions et ainsi de suite. Même comme ça, avec ces enquêtes, on a remarqué que beaucoup de nos frères, que ce soit les imams, que ce soit même certaines personnes qui sont spécialistes dans le domaine social, que ce soit même certains médecins, ont remarqué qu'il y a beaucoup de problèmes qui ont touché nos familles musulmanes de nos jours. Et on a essayé de trouver certaines réponses, que ce soit dans le domaine du comportement, la manière de vivre, de parler, la manière aussi, entre guillemets, de cohabiter époux-épouse, et on voit, tiens, on essaie de décortiquer tel et tel trait de caractère. Et donc on a tourné souvent, et on l'a remarqué autour de nous, on entend souvent donc ces remarques, on tourne souvent dans le domaine du caractère, de la religion, la pratique, là qu'il y a un intrus, et si pas plusieurs, qui sont rentrés dans nos foyers au fur et à mesure, mais on n'a pas fait d'enquête. C'est ce qu'on appelle les médias. Les médias, comme vous le savez, c'est en quelque sorte, comme le dit dans le dictionnaire, c'est une sorte de technique, c'est aussi un support de transmission massive de l'information, que ça soit alors la presse, la radio, télévision, cinéma, internet. Donc regardez combien d'invités se sont, entre guillemets, autoproclamés invités, donc sont entrés dans nos demeures sans que l'on sache vraiment de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces médias? Pourquoi sont-ils entrés dans nos demeures? Quel est le bénéfice d'avoir rajouté ces personnes? En général, quand on rajoute un ami, on sait qu'on va avoir un bénéfice, que ça soit du côté religieux, que ça soit du côté social, parce que
hein, ça aide à vivre en groupe et ainsi de suite. Lakin, cette télévision par exemple, cet ordinateur, ces jeux vidéo, tous ces appareils qu'on a fait rentrer à la maison, est-ce qu'on a pris la peine, que ce soit les parents dans les générations passées, ou que ce soit nous maintenant les jeunes qui se sont installés et qui ont notre propre famille, entre guillemets, donc épouse, enfant, est-ce qu'on a étudié quel est l'impact de ce qu'on a fait rentrer dans notre demeure à long terme? Parce que souvent à court terme, on ne remarque pas. On a des petites idées, et tout dépend du jeune, tout dépend du musulman qu'on a en face. Soit il y a le musulman qui va pratiquer tout simplement, il va faire sa prière, les quelques obligations, point à la ligne, et puis on monte un petit degré en plus, on va trouver celui qui a un peu plus peur pour sa famille, et puis on monte un peu plus celui qui va aller vraiment rechercher, se poser des questions, et là où il y a ce qu'on appelle un aspect négatif, il l'élimine, il le laisse pas s'approcher de sa famille. Lakin, même dans les familles les plus pratiquantes des fois, eh bien il y a un de ces médias qui est rentré et qu'on n'a pas pris la peine de bien décortiquer, et ce à long terme. C'est pour cela, alors à ce moment-là, lorsqu'on reconnaît qu'il y a un impact par rapport donc à quelque chose qui rentre chez nous, et lorsque l'on reconnaît qu'il y a moyen d'avoir ce qu'on appelle du positif et du négatif, on vous demande alors à ce moment-là de bien faire attention. Car comme vous le savez, toute chose qui va transformer une famille, ou bien un couple, ou bien une personne, qu'il soit adulte ou jeune, Allah, et lorsqu'on est musulman, on a intérêt à réfléchir deux fois plus qu'une fois. Parce que comme vous le savez, certaines choses vont en quelque sorte poncer votre caractère, vont entrer dans votre manière de réfléchir, de voir les choses, et vont vous travailler des fois sans que vous le remarquiez. Parce que certains médias ne travaillent pas la personnalité d'une personne en une heure, en une semaine, en un mois, mais après plusieurs années. Après plusieurs années seulement, on voit que la personne réfléchit, voit les choses d'une certaine manière, ou bien a des réactions, comme on va le voir des fois chez par exemple certains de nos jeunes, qu'ils soient frères ou sœurs. On a certaines réactions, on a certaines façons de penser, on met déjà des jugements parce qu'on a vu tel et tel journal, ou bien on a vu telle et telle émission, et des fois même des jugements sur peut-être tes propres frères musulmans. Et on remarque alors à ce moment-là que la personne, subhanallah, n'est plus régie, comme l'a dit Cheikh tout à l'heure et le frère Adil, d'après le Coran et la Sunna par exemple, mais au contraire, d'après ce qu'il voit, d'après ce qu'il entend à gauche, à droite, d'après ce qu'on lui a raconté, et ainsi de suite. Lorsque l'on va voir dans certaines études, et je le rappelle, c'est un travail qu'il y a moyen de faire en dizaines de conférences, si pas plus. Je ne suis pas spécialiste en la matière, c'est pour cela que lorsqu'on a mis ce titre, c'est pas pour venir se dire, tiens, il y a eu un spécialiste dans les médias qui est venu, loin de là, mais ce n'est seulement qu'une expérience et une recherche, hein, dans plusieurs ouvrages pour voir en quelque sorte qu'est-ce que ça peut nous amener, quel est le bénéfice de cette étude, de cette écoute. On a remarqué que de nos jours, la télévision, et on n'a pas le choix. Quand je dis on n'a pas le choix, c'est une drôle de phrase. Pour certaines familles, on n'a pas le choix, elle fait partie intégrante du couple, elle est à l'intérieur. S'il y a quatre murs, ben le cinquième c'est la télévision. S'il y a deux canapés, le troisième ça sera la télévision. S'il y a cinq enfants, le sixième ça sera la télévision. Donc il y a toujours ce matériel qui est là, qui est présent avec nous. Même si on déménage et qu'il n'y a pas assez de place, Inch'Allah on ne le laisse pas. On le prend avec absolument. Car deuxièmement, c'est quelque chose qui, comme on l'entend souvent et on décortiquera ça après, il aide à faire passer le temps. Il aide à nous apporter des informations. Il aide à nous faire, entre guillemets, comprendre comment vivent d'autres civilisations. On a beaucoup d'excuses. Il nous aide donc à beaucoup de choses dans le domaine, que ce soit intellectuel, social, des fois même moral, hein, quand on voit ce qui se passe des fois dans le monde, ça touche les cœurs et ainsi de suite. Et des fois même dans le caractère, car comme vous allez le voir, certains pleurent lorsqu'ils voient un film où une star va mourir après une semaine d'agonie à l'hôpital, tandis que lorsqu'ils voient le frère palestinien, ça ne le touche même pas peut-être. Peut-être qu'il ne le remarque même pas, il peut passer dans le salon et ne même pas remarquer qu'on a dit au journal qu'il y a eu peut-être 3 morts, 5 morts. On ne fait même plus de différence, on n'a même plus de poils qui bougent si on entend que c'est des vieux, des mères, des petits-enfants, des bébés ou autres. Non, on passe. Mais lorsqu'on s'assit pour... Et on a programmé ça depuis des semaines pour voir tel et tel film, là à ce moment-là, on a même ce qu'on appelle des gouttes, des larmes qui descendent parce qu'on se dit même, purée, ce gars-là, il n'aurait pas dû mourir de cette manière. T'as vu durant le film comment il a tenu, comment il a fait, et on entend alors des fois des personnes qui sont en train de pleurer pour quelqu'un qui vient de toucher peut-être un cachet de 100 millions de dollars ou je ne sais combien, quant à toi tu n'as rien touché. Au contraire, tu n'as eu qu'une tâche en plus dans ton cœur et tu as peut-être même pris une manière assez grave et négatif de fonctionner
par rapport donc à un matériel que tu as rentré chez toi et dont tu ne sais même plus quand est-ce qu'il faut savoir s'il faut pleurer ou pas pleurer. Et ça, c'est une question qui est assez grave et que je voudrais que beaucoup d'entre nous la gardent en tête et en parlent même plus tard, Inch'Allah, avec leurs enfants, comme on en parlera. Certains vous disent que, attention, on vous connaît, vous allez toujours parler de tout ce qui est haram. Donc vous, les barbuchons, tout est haram. Tout ce qu'on apporte, tout ce qu'il y a moyen de trouver de nouveau dans la société, c'est directement haram. Directement, vous allez chercher la petite bête, vous allez gratter. Non, ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne, loin de là. Et Dieu en est témoin, alhamdoulilah. Chaque personne, lorsqu'il interdit quelque chose, ou bien la rend halal, ou bien met en garde, et ainsi de suite, c'est parce qu'il y a une démarche, comme l'ont expliqué les frères tout à l'heure, de penser à l'au-delà, de penser qu'un jour ou l'autre, on va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, on sera questionné. C'est ça qui nous amène à réfléchir par rapport, par exemple, à la famille musulmane, par rapport à ce qu'on appelle les médias. C'est un sujet parmi les sujets qui peuvent apporter au lieu de soit le bonheur, soit le malheur dans une famille. Donc, il est opportun de l'étudier. Et pas penser qu'on doit chaque fois voir les choses soit positives, soit négatives, ou bien soit rester toujours du côté positif ou bien du côté négatif. Au contraire, on sait que la télévision peut des fois apporter ce qu'on appelle des renseignements dans le domaine de la presse, pour savoir ce qui se passe dans le monde, des fois dans le domaine scientifique, mais ce qui est drôle, et on revient même chez des scientifiques qui ne sont même pas musulmans, ils vous disent, et c'est drôle, il y a très très peu d'aspects positifs et beaucoup d'aspects négatifs. Donc ce ne sont pas des paroles d'un musulman, je les ai pris exprès. Je veux le dire car c'est très très important pour ceux qui pourraient se dire non mais écoutez c'est peut-être une approche d'un musulman comme on le voit déjà comment il est donc peut-être c'est une approche assez dure ou quoi que ce soit. Non, j'ai fait exprès pour ce travail et il est très conséquent et on va fortement le résumer car le temps ne le permet pas. J'ai fait exprès de prendre toutes les informations que j'ai ici de chez des chercheurs, des psychologues, des psychopédagogues, des psychanalystes, tout le domaine scientifique, qu'ils soient donc des Français, des Américains, des Juifs, tout. Parce que je me suis dit peut-être qu'en disant ça à mes frères et sœurs, quand ils vont entendre que c'est Jean-Jacques qui a dit que, eh bien on l'écoutera peut-être plus que lorsque c'est Mohammed qui te dit que. Et souvent on a cet aspect-là, parce qu'on catégorise directement la personne, loin de là. Donc ce travail, il y aura rarement de ce que vous allez entendre qui a été dit par un musulman. Lakin, walhamdulillah, ce qui fait plaisir, c'est que lorsqu'on a un petit bagage religieux, on remarque que tout ça a été dit il y a déjà 1423 années, au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsque la révélation descendait et qu'on avait des versets qui demandaient aux croyants de protéger, que ce soit le père de famille ou bien sa famille, de se protéger contre l'enfer, ou bien lorsqu'on avait des versets qui nous parlaient de baisser le regard, vous allez voir ce sont des tout petits versets, où il y a l'ordre de baisser le regard pour la femme, il y a l'ordre de baisser le regard pour l'homme, très petit. Lakin après 1423 années, et vous allez voir pourquoi lorsqu'on parle des médias, on voit que ce petit verset, subhanallah, il prend un sens incroyable. Il a une de ses importances capitales même dans le bonheur du couple. Si on va passer chez nos frères, et c'est ce qui nous intéresse, et je crois même que les parents, même si je vais parler maintenant des jeunes, je crois que les parents, walhamdulillah, et on le dit souvent, nos parents sont aussi jeunes. Et on ose le dire, ils sont même plus jeunes que nous, même à 60 ans vous les trouvez encore en meilleure santé, alhamdoulilah, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur prolonge leur vie et les protège. Vous trouvez qu'ils sont même des fois en meilleure santé que nous. Donc cet appel il se fait même pour les parents, c'est la même chose, tout le monde est jeune ici, alhamdoulilah, on l'espère. Et on vous dit alors premièrement, la télévision sert souvent à aider la personne à emmagasiner un tas d'informations. Et on le remarque lorsqu'on s'assied des fois peut-être une heure, deux heures, s'il fallait voir par jour combien d'informations entrent dans la tête d'une personne, sans qu'il ait l'occasion des fois de trier. Parce qu'il est en position, comme on dit, cadavre. Il est là couché, il ne bouge même plus, donc il est là. Tout ce qui rentre, tout ce qui vient, il emmagasine dans sa tête. Deuxièmement, on vous dit aussi que comment est-ce que nos parents gèrent ce qu'on appelle l'âge de la puberté chez l'enfant, qu'il soit garçon et fille, lorsque cet enfant est assis devant la télévision et voit, à longueur de journée des fois, des publicités, des films, des séries, où des femmes sont dénudées, et on le sait, ça existe, où l'on voit donc beaucoup de parties donc, du corps apparaître, et cet enfant est dans un âge où il commence à bouillir, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Il commence à différencier, si pas déjà depuis longtemps, qui plus est ici dans ces pays, on différencie déjà bien à l'avance,
parce qu'on vous aide à le faire. Et à ce moment-là, on est là en train de se douter qu'arrivé à un certain âge, et ça c'est des scientifiques non musulmans qui le disent, ils vous disent qu'on se doute à ce moment-là, pourquoi est-ce que mon fils passe d'une fille à une autre? Pourquoi sort-il en cachette avec des filles? Ou bien des fois, la même maladie touche même nos frères et nos sœurs aussi. Et je vous donne un simple exemple pour celui qui veut des fois tester. Allez une fois en ville, passez une fois par la ville, même à un moment où il y a école, et vous allez voir où et comment nos jeunes sont assis sur des bancs ou bien dans des petits cafés. Vous passez des fois devant eux et vous les voyez, comment ils sont en quelque sorte positionnés, de quelle manière se parlent-ils. Et vous verrez que certains, entre eux et le système animalier, il n'y a qu'une petite marche à passer, aucune différence. Et on s'étonne des fois, comme dit ce chercheur, on vous dit, allez voir ce qu'il regarde. Parce qu'il vous donne sa parole, que ça joue sur le psychique de la personne. Ça s'emmagasine, et comme vous le savez, dans l'être humain, il y a ce qu'on appelle le nefs, cette âme qui est là, et qui, comme vous le savez, on en a déjà parlé plusieurs fois, elle amène toujours, elle tire la personne vers le mal, et c'est ce qui fait alors que certaines scènes, même furtives qu'il a vues, très rapides, jouent dans sa tête et le font réfléchir pendant des fois des heures et des heures. Et wala'idou billah, lorsque le lendemain cet enfant va à l'école, il voit peut-être la même fille ou bien la même femme qui est passée à la télévision dans un certain état. Et à ce moment-là, nous les parents, qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qu'on en sait si ça a joué ou pas? Si ça va l'attirer, wala'idou billah, à passer à l'acte ou pas? Si ça va peut-être lui changer ce qu'on appelle l'opinion sur tout ce que toi, père, tu lui as enseigné ou bien mère, dans le domaine de la pudeur, de baisser le regard et ainsi de suite. Certains aussi, les médias l'auront joué dans ce qu'on appelle le domaine des « qui est la star pour moi ? À qui est-ce que je voudrais ressembler ?» Lorsqu'on demande ça à un jeune qui n'a peut-être pas un bagage religieux, on va vous sortir en général, et c'est très réputé chez nous, d'abord le sport, le football. Je voudrais ressembler à Ronaldo ou bien je ne sais qui d'autre. Un joueur de foot. Certains, très très rares, vont vous sortir les autres sports. Mais l'autre sport qui est le plus connu, karaté. Démolition. La force. Certains, peut-être le body, ainsi de suite. Et c'est rare parce qu'on a fait la statistique, puisqu'on a eu, alhamdoulilah, le bienfait, hein, parce qu'on a eu l'opportunité donnée par certains frères d'enseigner pendant des années, hein, dans les écoles arabes. Et on remarque que souvent, je faisais ça comme petite enquête avec des jeunes de 16, 17 ans. Mais l'année, comme on dit exprès, il dit, tiens, franchement, si tu avais un rêve, si tu voulais vraiment devenir la classe et tout, quoi tu voudrais ressembler, toi? Bien de ces joueurs de la mort, comme ça, l'argent, les voitures, cada, un autre, il te sort, une star de TV, comme ça, ouais, je vais partout dans le monde. Chacun, qu'est-ce qui te sort? Et jamais, c'est dommage à dire. Je ne veux pas jurer là-dessus, parce que mon expérience me l'a montré, jamais quelqu'un m'a dit, je voudrais ressembler à Mu'ad ibn Jabal, radiallahu anhu, ou bien je voudrais ressembler à Omar ibn Khattab, pour être quelqu'un de très sérieux dans la religion, quelqu'un qui ne se fait pas avoir, ou bien Abu Bakr, radiallahu anhu. Est-ce qu'on entend cela? Et on peut faire même marche arrière. Est-ce qu'on entend des fois même nos parents inculquer ça à leur enfant? En lui disant, tiens, viens aujourd'hui. Eh bien, aujourd'hui, je vais t'enseigner une des plus grandes stars qu'il y a eu dans la religion. Le mot, subhanallah, on ne l'emploie pas dans notre religion, star. Là, ce sont peut-être des petits mots qui ouvrent certains fichiers. Parce que quand tu dis à certains jeunes, tu parlais d'un compagnon. Pour lui, c'est comme si tu as déjà déposé 2 tonnes sur son dos. Ah, il y a encore de la théorie pendant une heure. Là, on peut trouver des petits mots qui attirent. Ah, Jigles, on entend de stars. Oh, mon père, il connaît des stars. Tiens, c'est nouveau, ça. Il commence à rentrer dans notre move, là. Et là, il s'assied à ce moment-là. Puis tu le rentres par l'histoire sans lui donner de nom. Ah, à ce moment-là, tu lui expliques. Tu le rattaches alors à autre chose. Certains, l'impact des médias, et on le verra plus tard aussi. Je vous donne maintenant des pistes. C'est comme hein, des branches. Et après, on va, Inch'Allah, mettre les fleurs là-dessus. Certains vous disent que la prière à l'heure, je ne connais plus. C'est plus prier à l'heure. Tu dis pourquoi, Yahri? Certains tu dis shaitan. Et voilà, taïb, shaitan, il n'y a pas de problème. Je sais qu'il a un gros travail. Là, qu'il en dehors de shaitan, il n'y a pas autre chose. Et souvent, on a cette expérience de leur dire, tiens, parle-moi de ta journée. Il n'y a pas une seule minute de lecture ni quoi que ce soit. Le meilleur te dit, voilà la TV, Internet. Et on remarque alors qu'à ce moment-là, le musulman, pendant des semaines et des semaines, il peut, wallahu billah, commettre 2 graves erreurs. La première, prier tous les jours en retard. La deuxième, ne peut-être jamais prier en groupe à la mosquée. Parce qu'il y a telle et telle émission qu'on ne doit pas rater. Il y a tel et tel débat qu'on ne doit pas rater. Il y a tel et tel film, wallahu billah, ou je ne sais quoi qu'on ne doit pas rater. Et des fois même, et pire encore, on peut être des fois devant une scène,
Comme me disait un jour un jeune pour rigoler, il m'a dit, ah mais vous exagérez, parce que moi je reste pendant une heure pour attendre la star du film qui prépare un casse depuis ce matin. Alors il va rentrer à la banque, tu me dis, ouais, non, va, là, va prier à la... Il y a pas... Subhanallah, le prophète, il devient savant aussi. Tu dis, le prophète, il a eu Jibril, alayhi salam, qui est venu, qui lui a montré comment on prie au début et comment on prie à la fin, jusqu'à la limite. Donc, alhamdoulilah, devant Dieu, le principal, c'est que je prie. Et tu entends des conférences comme ça, alors qu'elles ne sont pas fondées. Et des fois, on n'ose pas se lever parce qu'on doit absolument attendre la fin. Parce que shaitan, il dit, oh, subhanallah, Real de Madrid contre Barcelone, c'est le dernier match de l'année 2002. Et tu vas te lever pour... Ya akhi, subhanallah, toute ta vie tu as prié jama'atan. C'est cette jama'a-là qui va te faire entrer en enfer. Et le shaitan devient savant pour toi à ce moment-là. Et te donne des leçons. Et tu évites alors d'être la prière en groupe. Certains, d'après les études, on vous dit qu'il y a des jeunes, des enfants qui se plaignent qu'ils ont un manque de concentration. Notre génération, on a peut-être à peine 30, 31, qu'on allait étudier à la mosquée chez certains chouyours, Zahoumla, comme Cheikh Al-Mouddin, par exemple, pour le Coran. Subhanallah, il te remplissait l'ouh. En plus, nous, on est ceux de Belgique, on a un peu plus de béton ici. C'est ce qu'on nous a toujours dit. On est un peu plus lourd de comprenure. Il te remplit la planche, parce qu'on n'est pas habitué à l'arabe aussi, hein, pas croire parce qu'on est bête, parce qu'on a des hormones de Belgique, loin de là. Mais c'est parce que l'arabe, on n'est pas habitué. Donc, c'est lourd à rentrer. Même comme ça, on nous remplissait une planche. Petite écriture, tu commençais à l'étudier à 9h, à 10h30, 11h, tu allais déjà chez l'imam, tu récitais. Je vois nos jeunes de maintenant, ceux qui ont 17 ans, tu lui demandes, qul huwallahu ahad, il se tord en trois. Sa bouche commence à se tordre, sa langue, je ne sais pas où est-ce qu'elle colle, il n'arrive pas. Lakin, subhanallah, si jamais tu mets une caméra en cachette et qu'il est avec un copain en train de discuter d'un film qu'ils ont vu, wallah, même certaines phrases sont étudiées par cœur, et encore maintenant on l'entend. Même certaines manières. Un oncle à moi me disait même que quand ils étaient jeunes, quand au Maroc le premier Bruce Lee est sorti au cinéma, premièrement il y a eu 3 morts, et deuxièmement les meilleurs ont essayé de sauter comme il a fait, 2e étage. Donc on a cette faculté de retenir. On est très intelligent, alhamdoulilah, les Arabes et les musulmans, très très intelligent. Là, qui on n'a pas géré cette intelligence, cet outil qu'on a, on ne l'a pas géré. Et c'est pour cela, chers frères et sœurs, qu'on retrouve ce problème chez beaucoup d'entre nous à l'école. Beaucoup de nos jeunes, une grosse quantité, n'arrivent pas à l'université. Et subhanallah, quand tu vas étudier ça, tu décortiques, tu retrouves que dans sa jeunesse, on n'a pas pris la peine, et on va le voir plus tard, on n'a pas pris la peine d'étudier le programme de l'enfant. Combien de temps doit-il passer dans la lecture, dans l'étude, dans le raisonnement? Et on s'est satisfait de ce qu'on appelle les minutes. Comme on entend souvent, et c'est grave, et nos parents les voient encore maintenant, jazakumullah, on voit encore maintenant nos parents dire à nos frères et sœurs, tu as lu un peu de Coran. Et qu'est-ce qu'il fait le petit? Il se lève. Alors que c'est kalamullah. Tu lui apportes ce qu'on appelle le bénéfice de sa vie. Et tout le monde se lève en pleurant. Et si tu lui mets la télévision, tu dis, tiens, je t'ai apporté une belle cassette. Est-ce qu'il va commencer à pleurer comme il l'a fait pour le Coran? Donc il y a un problème là à étudier, d'office. Quoi que l'on dise, c'est un problème qu'il faut étudier. Et où les médias ont joué donc ce qu'on appelle une grande part dans ce domaine-là. Et certains aussi parlent de ce qu'on appelle l'humeur, dans le domaine du caractère. Et ça, subhanallah, c'est prouvé. C'est prouvé car certains donc, ils voient un film où il avait une star qu'il aimait bien, et il a suivi durant tout le film, et à la fin, comment il meurt? Il meurt bêtement. Et toi, subhanallah, tu viens d'entrer, tu fais salam alaykoum, ça va, Mohamed? Allez, parle pas, Allah, mouchkila, parle pas. Allahu Akbar. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas te dire, peut-être qu'il a raté une prière, peut-être qu'il a essayé de réviser le Coran, ça voulait plus sortir, peut-être que... Quand tu dis alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, Allah, un film, il m'a marqué, Allah, franchement, pas. Ah, une star et tout, c'est comment? Oh, purée, oh, yo, yo. On entend ça avec des frères, des fois qu'on rencontre. Allez, comment ça va, Kadadi? Qui puisait quand ils reviennent le soir, Kinépolis et compagnie. Tu les rencontres des fois au quartier, tu fais, ok, faye, nadi, comment? Ouais, Allah. C'est film de la mort. Ah. Donc, on vous dit que ça joue même dans le caractère du musulman. On peut penser que c'est un détail, là, qui non, au contraire, Allah, un caractère qui fonctionne de cette manière-là,
comment voulez-vous que ce caractère fonctionne d'après l'impact que pourrait avoir sur lui les versets coraniques ou bien des traditions prophétiques ou bien certains conseils? Quel impact est-ce qu'ils vont avoir à ce moment-là? Donc on peut dire alors que la télévision a un potentiel à la fois positif et négatif, mais beaucoup plus négatif sur que ce soit les enfants, les adolescents ou comme on le verra avec nos parents aussi. On remarque aussi que, chers frères, et c'est grave, nos enfants, et c'est une réalité, nos enfants regardent trop la télévision. Wallah, chers frères, quand je faisais cette étude, je me disais que, et je ne veux pas rentrer dans ce domaine, je le laisse au shoyur, jazakumullah, vous aurez l'occasion de leur poser la question. Des fois, on se dit même, quand certains savants l'ont rendu haram, cette télévision, c'est-à-dire illicite dans cette demeure, et qui plus est, dans les pays dans lesquels on vit, on entend rarement les conseils, vous êtes à ce moment-là étonné. Parce que les chercheurs eux-mêmes, non-musulmans, vous disent premièrement, les enfants regardent trop la télévision. On vous dit même, si un enfant, écoutez bien, si un enfant aujourd'hui continue de regarder la télévision au même rythme que l'on a aujourd'hui, et c'est un chercheur qui a fait une enquête ici, qui dit que minimum on regarde jusqu'à 3 heures. L'enfant rentre de l'école à 3h30, 4h, il fait très très vite ses devoirs, des fois vers 4h30, il peut être déjà devant la télévision. Il peut déjà être devant la télévision. Que ce soit dessin animé, Cartoon Network, Cartoon ceci, il est déjà devant. Jusqu'à ce qu'on l'appelle peut-être vers 6h30, 7h, et on le verra aussi très très grave, il mange, là qu'il a un œil qui est vers la télévision. Et puis après il vient chez toi, Abi, hamiem mec, une minute. Hamiem mec, il sait qu'il doit dormir à 8h. Hamiem mec, un tout petit peu. Je finis de dessin animé. Et nous alors qu'est-ce qu'on croit? On lui fait un grand plaisir. Et Allah l'a dit, vas-y. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Il termine son pointage, minimum 3h. Eh bien, le chercheur vous dit que à 70 ans, si on calcule toutes ces heures-là, c'est comme s'il aura vu la TV pendant 7 ans. C'est comme si tu mets quelqu'un à l'âge de 10 ans devant une télévision, jour et nuit, jusqu'à l'âge de 17 ans. Pourquoi je vous dis qu'il y a 1423 années, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de cela? C'est parce que le jour du jugement dernier, est-ce qu'on ne sera pas questionné sur notre jeunesse, comment est-ce qu'on l'a passée? C'est vrai ou pas? Est-ce qu'on ne sera pas questionné sur les minutes, les secondes? C'est vrai ou pas? Est-ce qu'on sera délaissé comme ça? On en sera questionné. Alors ce chercheur te dit, 7 ans, si on continue à faire Walaya Doubila ou à laisser nos enfants regarder la télévision comme il se doit, ou bien même nous, pas croire des fois, les petits, parce qu'on doit les protéger, mais nous, les grands, on connaît. Non, même les petits, donc ça touche aussi les grandes personnes. Certains aussi vous disent que l'impact de la télévision peut aussi jouer dans ce qu'on appelle même la santé de la personne. C'est un petit sujet, on se dit, oh. Certains chercheurs ont dit que ça joue dans ce qu'on appelle le domaine de l'obésité. Parce que beaucoup se sont habitués à venir devant la télévision et à manger devant la télévision. À ce qui paraît, ça aide le corps à garder tout ce qui est les matières grasses parce qu'il n'y a plus d'activité physique, donc on engrange, on remplit, on est là. Et qui plus est des fois, on termine vite un plat et on va directement devant la TV, on se couche. Et on commence avec ce qu'on appelle la télécommande. Et le corps, la seule chose qui bouge dans le corps, qu'est-ce qui bouge à ce moment-là? À tout casser. Le doigt là qui fait zapping, celui-là, il va être questionné le jour du jugement dernier. Ruina, hein? Il est là, tic, tic. Et ceux-là, les petits yeux qui, de temps en temps, à cause d'eux, ils descendent, ils remontent. Tandis que le reste, subhanallah, concentration totale. Une concentration qu'on ne retrouve même pas dans la prière. Dans la prière, c'est grattage tous les 10 secondes. C'est automatique, il faut gratter. Et des fois, devant un film, il y a moyen que tu filmes un frère ou une sœur, Wallah, pendant une heure et demie, il ne bouge pas. Aucune réaction. Est-ce que ce n'est pas là de nouveau une question qu'il faut se poser aussi? Est-ce que ça ne joue pas aussi sur ce caractère? C'est pour cela que certains chercheurs sont arrivés à une conclusion en disant que, texto, ils disent que parce que les enfants, les jeunes, les adultes écoutent trop la télévision, il vous dit à ce moment-là que beaucoup d'enfants manquent souvent de temps pour exercer des activités comme le jeu, la lecture, l'apprentissage de la parole, les interactions avec les camarades et la famille, la narration d'histoire, l'exercice physique régulier et le développement d'autres aptitudes physiques, intellectuelles, sociales, tout aussi essentielles les unes que les autres. C'est un drôle de langage, c'est trop sophistiqué. Bahou alam. Lakin, quand tu les décortiques, c'est ce que normalement on retrouve dans une famille musulmane. Le parler, le père ou la mère sont là pour corriger la langue arabe. Nous, si on sentit rien qu'avec le français, c'est déjà le fdeha. Puisque même nos enfants, le dialecte, ils ont déjà des problèmes. Le dialecte,
Je ne parle pas dialecte tangérois ou bien rif ou ceci ou cela. Rien que le dialecte. Beaucoup d'enfants ne savent même pas le parler. Que penser alors de la langue arabe? Un grand pourcentage ne la connaît pas. Quand il parle ici de tout ce qui est les narrations d'histoire, est-ce que ce n'était pas le cas avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Lorsqu'il leur parlait des communautés aux compagnons ridwanullah alayhim, par rapport au verset qui était révélé, que ce soit les anciennes communautés au temps de Nuh alayhi salam, ou bien l'autre alayhi salam, pour parler de certains problèmes graves qui étaient passés dans ces communautés-là, est-ce qu'on prend la peine de faire de même avec nos enfants à ce moment-là? Ou bien on les laisse modeler leur caractère, leur façon de parler d'après le film, d'après ce qu'il a vu et d'après ce qu'on va l'aider à faire à l'école le lendemain? Et on s'étonne qu'on a des enfants alors qui ont une manière de parler, comme on dit des fois, assez vulgaire. Et en se parlant entre nous, on se dit, ouais, il est un peu mrouen, comment il parle? C'est que crier. Quand tu as des jeunes qui aiment bien Bruce Lee toute la semaine ou des films de Jackie Chan ou je ne sais qui entendent crier que des sons toute la semaine, comment tu veux qu'il te parle? Il va te parler comme un Jackie Chan, il va crier du matin au soir. Son frère il passe, rfa, allez, habbot. Sa sœur elle passe, il va tester un autre coup. Et naam, c'est peut-être des drôles d'exemples, assez simples, et qui n'ont les remarques dans nos familles. Allah, chers frères, soyons honnêtes. Ceux qui ont vu les premiers Rocky et compagnie, il n'y en a pas un qui a au moins utilisé une à l'école pour tester, en se disant qu'il y a moyen de faire à l'autre avec un seul coup, par exemple. Et on a eu les cas. Parce que quand le frère tout à l'heure, et Allah hafdo, c'est peut-être un lapsus quand il a dit spécialiste, nous au centre islamique, on a ce qu'on appelle donc un service social, et on reçoit moi-même tous les jours des coupes, des ceci, des cela. Et Dieu en est témoin, il y a des épouses qui nous disent que, Wallah khay, vous savez comme ils disent, Darija, tu fais Wallah khay, il a vu un film, et je lui ai dit, Taqillah, qu'est-ce que tu es en train de voir? Puis il s'est levé, et exprès je dis, c'est un film de quoi? Il dit, ouais, avec des arts martiaux et tout, de bza, kadadi. Et tu dis, il s'est levé, il n'a pas aimé que j'ai fait la remarque, et il m'en a envoyé une. Elle vient chez toi, Wallah, elle vient chez toi au centre avec un nœud au bernoir, pleza comme ça, comme on dit, fedrabni. Tu appelles le frère, des fois il veut pas, tu le rappelles. Quand il vient, tu fais, ouais, il faut Allah le réflexe. Le coup il est parti. Est-ce que ça n'a pas impact? Wallah, c'est un impact chez certains jeunes, peut-être plus nos parents, et on l'espère, mais chez certains jeunes ça a joué. Certains aussi ont choisi les médias pour se débarrasser de ce qu'on appelle l'aspect compliqué de la vie. Combien de frères ou de sœurs, quand ils rentrent à la maison et qu'ils ont eu un problème, ne vont pas directement à la télévision pour se vider l'esprit, pour changer d'idée? Au lieu de mettre une cassette de Coran, vous allez me dire, ah, de nouveau le Coran, oh là là, vous n'avez pas autre chose dans votre menu? C'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala le dit, ala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub, les cœurs ils s'apaisent avec quoi? Parle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi avec la prière, l'invocation et ainsi de suite. Donc certains l'ont choisi comme ce qu'on appelle moment de s'évader. Et un chercheur disait que, et pensez à ce que je vais dire maintenant, disait qu'une des plus graves erreurs, c'est que certaines familles ont mis des télévisions partout dans la maison. On a des jeunes qui ont des télévisions même dans leur chambre. Je ne parle pas ceux qui ont une télévision où les parents donc mettent une cassette vidéo, par exemple, pour les petits, sur la vie de, je ne sais pas moi, comment on dit, Sulayman al-Fatih, par exemple, Salah Abdil Ayoub, il y a des petits dessins comme ça qui font passer. À la rigueur. Non, non, non. On met la télévision, on met la vidéo, et le jeune te dit, mon père, Wallah, c'est un gentil. Subhanallah, je lui ai demandé, descends-moi la Coditel. Wallah, pauvre, il a été chercher des copains, une sève foreuse de 1 mètre pour le béton, il m'a passé le fil, alhamdoulilah, tranquille. Moi, j'embête plus le Walid. Il ne nous voit plus. Donc, on facilite la vie. Ce qu'a dit le chercheur, c'est que, plus loin dans le résumé, il dit, à ce moment-là, dans une seule famille, on a créé. Tu sais pas pourquoi? Je lui ai dit, Shinara, te fera à la TV. Non, c'est vrai, l'idée, elle peut aller comme ça. Elle peut prendre un mauvais chemin. Elle peut penser que. Je lui ai dit, c'est pas bien, trop changé. Télécommande, elle va kada. La TV, c'est pas bien. Ça, il y a de la pudeur. Je voulais pas lui dire, parce que sinon, tu es accusateur. Je voulais pas lui dire, est-ce que tu penses pas que peut-être à cette heure-là, il y a une émission spéciale? Bien qu'il voyait peut-être quelque chose de spécial. Lakin, vous savez, c'est dur de dire ça, parce que sinon le père va te regarder, tu accuses mon fils ou ma fille.
Mais ici, on a le droit d'accuser, parce qu'il n'y a personne. Donc, on la lance. Donc, faites attention aussi à ça, les parents, les futurs parents, et même les frères et sœurs qui sont entre eux à la maison, qui, comme par hasard, dès qu'ils rentrent, ils voient son frère traîner, ils changent. Donc, c'est quelque chose de très, très important aussi. Les autres, en employant un moyen, entre guillemets, positif, c'est-à-dire se renseigner dans le domaine de la presse, c'est-à-dire mettre le journal, ont créé, comme on dit certains chercheurs, ont créé à un moment une plage horaire spéciale où personne ne peut discuter. Ça veut dire quoi en pratique? Ça nous arrivait quand on était avec, des fois, quand on est avec les parents, ou bien quand on regarde un journal, et puis on entend « dernière dépêche, incroyable, 54 morts, puis t'as ton fils qui vient ». Tu fais « ah oui », qu'est-ce qu'on lui répond en général? Chut, bad. Les chercheurs non musulmans, je dis bien non musulmans, te disent que tu viens de mettre un point très très grave dans le domaine psychologique de l'enfant. Tu viens de lui mettre un point grave, c'est-à-dire ce rejet-là, il ne l'oublie pas. Parce que certains psychopédagogues ont dit que certains enfants, quand tu les rejettes la première fois, d'après leur caractère, certains vont et te disent que, même si jamais il fallait leur parler, dire « retourne chez ton père, demander la question », il va dire « non, je ne veux pas aller ». Ils s'habituent à ça. Donc on s'habitue des fois à même renier, comme a dit ce chercheur, personne ne peut plus parler à celui qui regarde le journal. Ni son épouse, ni ses enfants, personne. Chaque fois que tu viens, c'est ce qu'on appelle un terrain no man's land. C'est un terrain vraiment où personne ne peut rentrer à ce moment-là. Parce que c'est le journal, point à la ligne. On ne discute pas à ce moment-là. On ne doit pas déranger. Alors que wallah, chers frères et sœurs, il se pourrait que cet enfant, ce fils, cette fille, avait peut-être envie de te dire quelque chose qui l'a travaillé peut-être depuis des semaines ou des mois. Combien n'ont pas voulu venir raconter une vérité à leurs parents, quelque chose de grave qu'ils ont fait. Et puis il vient à ce moment-là en ayant, toi tu le sais même pas, il a peut-être calculé pendant des semaines et des semaines, quel moment opportun je vais aller chez mon père et je vais lui parler de telle et telle chose. Et au moment où il vient, qu'est-ce que tu fais? Chut, sir, club, laoum. Et les autres verbes que vous connaissez tous. On vous dit que non. Le père de famille responsable, quand l'enfant vient chez lui, wallah, n'importe quelle émission, n'importe quel sujet. Moi, je vous parle de celui qui reste toujours devant ces sujets. C'est pour ça que, comme vous avez remarqué, la discussion, elle est tout à fait à côté. Maintenant, on se dit, même si quelqu'un veut quand même tenir à ça, on lui dit, ne rejette pas un enfant qui vient parler avec toi. Même si c'est le khbar, même s'ils sont en train d'expliquer comment la bombe a explosé ou je ne sais quoi. Non, tu prends l'enfant, tu discutes avec lui. Très, très important aussi. Certains aussi, parmi les chercheurs, nous disent que la télévision nous a tenus à l'écart des activités communautaires. Écoutez bien, c'est très très important. Nous a tenus à l'écart des activités communautaires et nous a plutôt rattachés à son pouvoir. Subhanallah, c'est comme ce qu'on appelle sihr, la magie. S'il fallait inventer un style, c'est comme si tu veux sortir, puis la TV elle te fait « oh, j'y ai ». Tu vois la personne, hop, marche arrière, glace. Le soir, c'est l'heure de la prière, c'est peut-être un match, glace. Et dans le domaine des activités communautaires, il n'y a plus de présence. Et on le voit beaucoup chez nos jeunes, par exemple, par rapport à la présence dans la mosquée, les prières, les cinq prières, même quand il y a congé maintenant. On le voit par exemple aux conférences, on le voit même dans les liens de famille, on les voit même dans les colloques et ainsi de suite. On ne participe plus à ça, parce qu'on a un colloque spécial. On a une rencontre privée entre moi et les quatre planches, ou bien les quatre plastiques qu'il y a maintenant. Moi et la TV, c'est ça le meilleur rendez-vous que j'ai. C'est pour ça qu'on ne participe plus à autre chose à ce moment-là. Certains, pour parler aussi, entre guillemets, de nos sœurs, et c'est la même maladie pour les frères. Lakin, les chercheurs ont dit que ça a été étudié spécialement pour les sœurs, les femmes. On vous dit que certaines familles ont été touchées par ce qu'on appelle certaines maladies, des fois même comme ce qu'on appelle l'anorexie et autres, ou bien des fois les enfants d'aucun, comme on dit, ne veulent plus rien manger. Le chercheur ici, c'était un, comme on dit entre guillemets, un Américain, il disait, une famille, un jour on est venu chez elle, une famille est venue chez un médecin, et on lui a dit, cet enfant, elle n'a même pas 10 ans, elle ne veut plus rien manger. Le médecin, Mskin, il a dit, prise de sang, prise de ceci, prise de cela, pas de solution.
Il lui a dit, il faut aller chez un psychologue. Bon, c'est vrai que nous, on a notre vision à part, bien spécifique, mais al-kulihal, prenez l'exemple seulement. La personne donc est partie chez un psychologue. On vous dit que le psychologue, il a commencé à discuter avec la petite. Vous savez à quel résultat il est arrivé? La petite a avoué à la fin, elle dit, moi, je veux ressembler à celle qui mange le Danone à la télévision. Ça, c'est grave, chers frères et sœurs. C'est-à-dire, comme disent certains, c'est ce qu'on appelle la climage parfaite. Blonde, toute mince, ceci, cela, donc bien, des caractéristiques bien spécifiques, on en parlera bien après pour un autre cas encore plus grave. Et on vous dit alors que l'enfant, ou bien même ceux qui, et des fois on dit à certains, quand on a l'occasion pour l'affaire de Rad al-Bassar et autres, on leur dit, l'autre il est en train de voir la publicité de Azzaro ou bien de Paco Rabanne, que des torses nus, que des biceps. Ou Fatma Mskina, à côté d'elle, il y a un petit accroche. Un petit chouïre Mskina. Qu'est-ce que disent les scientifiques dans ce domaine-là? Ils vous disent, wallah, ça joue dans le mental. Ça joue. Ou bien quand toi, homme, tu es encore, mashallah, jeune, même si tu as 60 ans, et que la femme skina avec Tamara, les naissances, le travail, le ceci, le cela, sa jeunesse peut-être au pays, et ainsi de suite, on sait que c'est que nos mères vieillissent des fois plus vite que nos pères, c'est vrai ou pas? Et puis, alhamdoulilah, si jamais tu trouves, même si c'est un père de famille âgé, ou bien même si c'est un jeune comme nous, regardez tous les jours, alhamdoulilah, ces publicités, sans avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala de changer, certains ne changent même pas. Qu'est-ce qui se passe dans la tête? Vous croyez que ça n'a pas d'effet? Vous croyez que le père, là, lorsqu'il va regarder cette jeune bonne femme là pendant une semaine, chaque fois qu'il met les publicités, il les voit de toutes les couleurs, toutes les tailles mannequins qui existent. A'oudou billah, vous croyez que ça ne va pas jouer dans sa tête? Et puis après, ça, ce qu'il a sa petite vieille, elle va venir le saluer. Comment il va la regarder? Je vais chez les frères. C'est fini, c'est comme nos voitures. Après 5-6 ans, bref, ça... Ça devient, c'est tout, c'est occasion, il faut changer. Eh bien, ces chercheurs-là, non musulmans, vous disent et vous donnent leur parole que lorsqu'on regarde ce genre de publicité, ce genre de bonne femme dans certains films, même ceux qui veulent toujours pas comprendre qu'il faut pas, eh bien, on vous dit que plus tard, c'est une des raisons qui fait que ce fameux bonheur dans le couple est cassé, est enlevé. Car, Shaitan Allah sait que l'être humain, il a des passions, des envies. Que ce soit même du domaine, comme on dit, sexuel, il a des envies, il est attiré. C'est pour cela qu'il y a 1423 années, on vous disait de Radd al-Basar. Revenez à Surat al-Nur, la lumière, et voyez les deux versets, les deux ordres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné. Que ce soit pour les croyants, le mu'minin ou bien le mu'minat, il leur demande tous les deux de baisser le regard. Alors comment pouvons-nous après venir avec un argument et dire non, on peut regarder, il n'y a pas de problème. C'est la télévision, alhamdoulilah. C'est une invention, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Shaitan, je vous l'ai dit, il nous rend très savants. Parce que certains vous répondent à ce moment-là, et ça rentre dedans. Comme il y avait avant le hamar, maintenant il y a la voiture. Avant il y avait les nouvelles qu'on se disait comme ça, des jbel à jbel, maintenant il y a la télévision. Et on voit comment les gens y vivent, on prend des leçons. Et on entend des fois de ces paroles, subhanallah, vraiment vides de sens. Donc on doit faire aussi attention à ça. Et lorsque l'on parle de cette pudeur aussi, certains savants mettent en garde. Et ça, j'espère, alhamdoulilah, que nos familles ne sont pas descendues jusqu'à ce niveau-là. Certains savants mettent en garde pour ceux qui ont vraiment encore cette habitude de regarder la télévision, de mettre ce qu'on appelle leurs enfants juste à côté. Et ça se passe. Des fois, on regarde la télévision en famille, on appelle ça. On apprend le falas en famille. Et puis, qu'est-ce qu'on fait alors? Abdel. On entend souvent. Abdel. C'est trop tard. Le message, il est passé. Comment embrasser dans un film? Le message, il est passé. C'est vrai ou pas? Il est passé, le message. Alhamdulillah, subhanahu wa ta'ala, si l'enfant demain, il ne va pas les tester à l'école. Comme on voyait des fois les quêtes quand nous, on était en secondaire et tout. Et Dieu, Allah, je vais l'embrasser, celle-là. Inch'Allah, mettre flûte. Comme ça, sec. Mais ça, les parents, ils ne savent pas ça. Parce que c'est des discussions entre nous, les jeunes. Parce que quand on rentre à la maison, on se remet le petit musulman tip-top. Pas de trace. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala li alim, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a testé, qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là. Donc le rire à la pudeur, ne pensez pas que c'est seulement discuter de temps en temps avec des petits mots. Ahshem aulidi,
On laisse alors le petit à lui de réfléchir toute sa vie, c'est quoi Hachem? Est-ce que Hachem, c'est pas insulté, pas ceci? Ou bien quand il ira à l'école, c'est là qu'il va savoir c'est quoi Hachem? Est-ce que je peux toucher ou pas? Je peux sortir avec ou pas? Tout ça parce que il a vu ça à la télévision. Quand on voit les fameuses, hein, des fois ça fait mal au cœur quand on va chez certains frères ou autres, du coin comme ça, tu vois avec la télévision allumée, des séries, ce qu'on appelle les séries, même ici, certains chercheurs l'ont dit. Ils ont dit c'est ce qui a fait le plus de massacres dans notre jeunesse. Parce qu'à ce qui paraît, les jeunes, ils vivent dans un autre monde qui est irréel. Notre génération, c'était quoi, les frères? Starsky, Hutch, Colombo, vas-y. Chacun d'entre nous se dit, ah, si je pouvais, t'allah les affaires comme il les faisait Colombo. L'intelligence suprême sur Terre. Et le lendemain, pendant des heures, tu parles de ce film, par exemple. Lakin, de nos jours, alhamdoulilah, on vous fait gagner du temps, on vous dit, faites attention. Il faut éviter ça. Pour aller peut-être un peu plus vite, parce qu'on a quand même grignoté un peu sur le temps au début, je vais passer certains sujets. C'est pour ça que moi j'ai calculé sur en commençant pour 5h15. C'est pour ça que c'était, parce que c'est très 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 large. Pour aller plus vite, les chercheurs en résumé vous disent qu'il est important à ce moment-là de faire attention aussi à ce qu'on appelle les stéréotypes. Et les stéréotypes, c'est ce qu'on appelle une image toute faite qui paraît comme sortir d'un moule. Elle est déjà préparée. Vous savez c'est quoi par exemple les stéréotypes? On en a cité un tout à l'heure. C'est-à-dire que on vous fait passer, et c'est une étude ça. Vous savez, c'est des études de marketing. Vous savez, quand on prépare une pub, je ne sais pas si certains frères sont au courant et sœurs, quand on prépare une publicité, on vous dit que ce n'est pas seulement une tête qui la prépare. Vous êtes au courant qu'il y a aussi des psychologues avec? Est-ce qu'on sait ça? C'est toute une équipe qui prépare une publicité que toi, tu crois que tu as vu à la télévision pendant une minute, 40 secondes. Allah, qu'il y a des psys qui sont là et des spécialistes pour savoir quel est le mot, quelle est l'image qui va donner un impact en une seconde, en une fraction même de seconde. Et c'est pour ça qu'on vous dit parmi les stéréotypes et qui font rêver les gens, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, la fameuse blonde, toujours mince, toujours belle et ainsi de suite. Alors on a des films, je dois être comme un tel, et des fois comme ils disent à 8, 9 ans, 10 ans, 11 ans, ils font déjà des régimes, ils se cassent déjà. Eh bien, pour le jeune, il y a la même maladie. C'est celui-là qui plus tard, et on nous faisait la remarque. Wallah, il y avait des jeunes dans le quartier, quand tu lui disais, par exemple, ah, le frère un tel, il s'est marié. Oh, je l'ai vu, avec un qob. T'es comment c'est un qob? Toi, j'ai vu une avec un jilbab comme ça, noir, là, quoi. Ah, t'es fou ninja, t'es malade ou quoi? Il dit alors? Ah, Inch'Allah, ma beauté fatale, kada, tchik tchik. Hein? Vous croyez que ça vient d'où? Il n'y a pas un pourcentage des choses qu'il a déjà vues? Pourquoi? Parce qu'est-ce qu'à la maison, il vient avec des tchik tchik? Avec qui il vient à la maison? Alors, où est-ce qu'il voit ça? D'office, on revient à ce qu'on appelle ce problème de regard. Que ça soit à l'école, la TV, l'extérieur, dans la rue, ainsi de suite. Mais, subhanallah, même la TV, elle a son pourcentage. On vous dit aussi, par exemple, les stéréotypes très connus. L'asiatique, s'il passe à la télévision, il est spécialiste en quoi? Un asiatique. Soit de karaté, soit de cuisine. On vous dit aussi, comme stéréotype, si un italien passe à la télévision, c'est soit mafia, soit spaghetti, par exemple, la bouffe, nourriture. Dans la tête, on est habitué. Et subhanallah, c'est là qui fait le plus plaisir pour nous. Ces derniers temps, le meilleur des stéréotypes, vous savez, c'est lequel? C'est l'arabe qui passe à la TV. C'est quoi? Mais non. C'est quoi l'arabe qui passe à la TV? C'est le terroriste. Comme disait un jour un frère, même s'il y a une mouche ces derniers temps qui tombe, c'est la cellule. Pour pas dire le mot, sinon on va dire qu'on la connaît à Aoud, il faut dire des enquêtes, non. C'est la cellule. Même si une mouche, elle crève. Donc, certains chercheurs, c'est l'exemple que j'ai donné, certains pourraient se dire, pourquoi il les donne? Qu'est-ce que ça rapporte? Il vous dit, certains chercheurs ont fait en sorte que ces stéréotypes, eh bien, on a habitué les gens à réfléchir de cette manière. Et, chers frères, c'est ce qu'on a d'aujourd'hui. Je vais dire quelque chose peut-être de grave ou de drôle. Vous savez, maintenant, avec les attentats qu'il y a eu, bon, il y a eu 36 000 problèmes sur Terre. Le musulman, subhanallah, on lui apprend que إِذَا جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَئٍ فَتَبَيَّنُوا. Comme on dit, فَتَثَبَّتُوا. Cherchez, questionnez. Et des fois, on est dans certaines familles, certains frères, où ils te disent, tu vois le journal, puis ils te disent,
il te montre un arabe par exemple. Ah, il a été arrêté pour enquête parce qu'on pense que... Et puis tu entends des fois, Bderija Dienna, Hadzboulat, ils ont foutu en l'air notre vie ici en Belgique. Hadzboulat, ils nous ont fait. À cause de la télévision, tu viens d'insulter un frère qui peut-être, et c'est ce qui fait rire, parce que même les chercheurs, et j'ai pas voulu allonger, parce que ils ont fait toute une recherche sur le journal télévisé. Ce qu'on appelle les intox. Parce que vous savez pourquoi le musulman, il est responsable par rapport à ce qu'il vient de dire. Parce que ce même journal télévisé, une semaine après, qu'est-ce qu'on vous dit ? On s'excuse, on s'est trompé. Le monsieur qu'on a présenté la semaine passée, le FBI raconte qu'il s'est trompé de maison. C'était le gars d'à côté, moi, désolé. Puis après, alors, quand tu t'assieds avec le même frère, tu lui fais, ouais, qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, Allah, c'est la dunya, Allah, haram, nsara, nsara, msakhata. Non, ouais. Vous avez remarqué que même ces stéréotypes jouent dans notre comportement en tant que musulman, c'est-à-dire insulter, rabaisser un tel ou quoi que ce soit. Pour terminer, Inch'Allah, je ne sais pas combien il reste encore, donc Inch'Allah, pour aller peut-être plus vite, on rapporte aussi que les médias ont une grave influence dans le domaine de ce qu'on appelle la violence. La violence chez un jeune. Et la violence, comme vous le savez, c'est tout acte qui va peut-être émaner de ce jeune, acte négatif par rapport à une autre personne, soit en l'insultant, soit en la frappant, en la repoussant et ainsi de suite. Et un chercheur a été calculé sur une période déterminée. Écoutez-moi bien, il dit que la quantité de violence à la télévision est en hausse. Et il dit que l'enfant moyen voit 12 000 actes violents à la télévision chaque année. 12 000 fois qu'il voit quelqu'un en train de frapper un autre, en train de le casser, 12 000 fois. Ce chercheur dit qu'on voit aussi, dans certains mêmes films ou bien journaux télévisés, ce que nos enfants et autres jeunes regardent, on vous dit, on voit même ce qu'on appelle, y compris de nombreuses représentations de meurtres ou bien de viols. Et vous dit l'enfant et le jeune regardent ça pendant des années. 12 000 actes. Eh bien, il donne une conclusion, il dit, sûr et certain, cet impact, ce que vient de voir cet enfant à la télévision, va, en quelque sorte, se reproduire un jour ou l'autre dans sa vie. Ça, c'est des chercheurs. Là, on dit, l'amr biadillah. On a aussi notre manière de voir. Naam, l'amr biadillah. Lakin, il y a ce qu'on appelle asbab. Il y a ce qu'on appelle les choses que nous, on fait, les petites causes qu'on amène, qu'on enlève ceci, on met cela, on corrige, kada, qui font, inshallah, qu'on espère. Et on invoque qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège ces jeunes, ces enfants. Lakinou, sinon ils vous disent que ça a aussi ce qu'on appelle un impact. Aussi dans le domaine de l'apprentissage, je vous ai dit tout à l'heure qu'on en parlerait, ils vous disent que la télévision, ils vous disent que la télévision peut être un professeur d'une grande influence. Donc les chercheurs l'ont appelé professeur, c'est-à-dire qu'il enseigne des choses. Et ils vous disent aussi à ce moment-là, de toute évidence, regardez pourquoi est-ce qu'on demande des fois aux parents de s'asseoir, de discuter et ainsi de suite. Ils vous disent que de toute évidence, le domaine social, affectif, les rencontres familiales prennent alors de l'importance à ce moment-là. C'est comme si, wallahi billah, toi père, tu remarques que ton fils, il n'y a que telle et telle personne qui lui donne des leçons. Est-ce que tu vas accepter ça ? Tu ne vas pas accepter. Parce qu'en tant que père normal, tu veux que toi, c'est toi qui dois être celui qui va enseigner les bonnes valeurs, les bonnes morales. Est-ce qu'on accepte que quelqu'un vienne le faire ? Par exemple, tu donnes un conseil à ton fils et un type, il passe, il lui fait « Oulidi, tu dois faire kada kada ». Est-ce qu'on l'accepte ? On se dit, qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans, celui-là ? Après, si tu veux discuter avec moi, on fait une nasiha, il n'y a pas de problème. Mais venir couper et donner, eh bien, on te dit que la télévision le fait tous les jours et on n'a pas de réaction. Personne ne fait de remarque. Je suis tombé sur une étude qui m'a fait mal au cœur. Et j'espère, Inch'Allah, qu'elle n'est pas vraie. Cette étude, elle dit, écoutez bien, elle dit, les groupes d'enfants suivants, ceux qu'on va citer, sont peut-être plus vulnérables à la violence, à la télévision. Wallah, quand je l'ai lu, je me suis dit, encore nous ? Je ne me retrouve pas dans un démo, vous allez comprendre pourquoi. Le premier groupe d'enfants, il dit, les enfants de groupes minoritaires ou d'immigrés. Ah, ou les immigrés. Alhamdoulilah que nous, on n'a plus immigré. Nos parents, ils ont immigré, on n'a plus rien immigré. Nous, on immigre de Skarbek à Anderlecht, d'Anderlecht à Molenbeek, on est d'ici. Lakin, regardez la recherche, qu'est-ce qu'elle raconte. Elle dit ceux qui sont le plus attirés à tomber peut-être dans ce genre de problème, dans le domaine que ce soit la violence,
problème sexualité ou autre, on vous dit les enfants de groupes minoritaires ou bien d'immigrés. On vous dit les enfants qui ont des troubles affectifs. Allahu Akbar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne comment il était avec les petits-enfants. C'était celui-là qui rejetait jamais les enfants. Kenaoulallah, les parents doivent être de même comportement à la maison. Eh bien, on vous dit ceux qui sont vulnérables, c'est ceux qui n'ont pas d'affection à la maison. Le père ne l'embrasse jamais, comme on a entendu cet arabe qui est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était étonné de le voir embrasser. Qu'est-ce qu'il lui a dit ? Billah alaykoum. Qu'est-ce qu'il lui a dit ? Il n'avait jamais fait à ses enfants. Lakin, qu'est-ce qu'il lui a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Si on lui a enlevé la clémence de ce cœur, qu'est-ce que tu veux que veux-tu retirer de ce cœur-là ? Quelle clémence, quelle affection ? Et on a ça dans nos familles. Mais la TV, alhamdoulilah, prend la place. C'est la TV qui fait pleurer, qui met la joie à l'enfant, qui le rend joyeux, triste ou autre. Elle s'occupe à notre place. Pour terminer, il y a bien d'autres sujets. Wallah, je les passe très rapidement, comme la publicité par rapport au tabac. Certains vont me dire, ah, mais t'es mal barré, t'es trompé d'information. Non, parce que vous savez ce que dit le chercheur. Il dit, même si en Belgique, on a interdit la publicité du tabac à la télévision, vous savez ce qu'il dit à ce moment-là? Le chercheur vous dit qu'on a inclus le tabac dans ce qu'on appelle le sport. Beaucoup de jeunes aiment regarder la Formule 1, c'est vrai ou pas? Mais ils voient Marlboro passer 55 fois. Il suit Schumacher et le paquet de cigarettes qui est attaché à Schumacher. Pendant 5 ans, moi j'aime bien les bolis. Eh bien, les chercheurs vous disent que, d'après leurs recherches, normalement ça a un impact visuel et qui fait que plus tard la personne peut être tentée si jamais il y a un autre facteur extérieur qui vient se rajouter à lui, c'est-à-dire un ami ou quelqu'un qui lui propose. On vous dit c'est comme un calcul pile ou face. Voilà, Abdoullah. Aussi la radio. Et je termine sur les derniers médias que je ne vais pas prendre du temps dessus. La radio, on vous dit que la radio est aussi un média qui joue, qui a de l'influence. Et de nos jours, qu'est-ce qui nous intéresse, nous, dans la radio ? C'est le côté musical. Et certains parents commettent une grave erreur. Vous savez ce qu'ils font ? Ils vous disent, ah, moi, pour l'Eid, j'ai offert un Walkman à mon enfant. Mashallah, c'est bien, au contraire. Mais vous savez quelle sorte de Walkman il lui offre ? Un Walkman avec radio. Quand tu donnes un Walkman avec radio à un enfant de 12, 13 ans, qu'est-ce qu'il va écouter dans la radio ? Radio le Manar ou la radio le Watan, ou bien qu'est-ce qu'il va écouter ? Billah alaykoum, qu'est-ce qu'il va écouter ? Et on offre ça comme cadeau. On croit qu'on a fait un grand service à cet enfant. Loin de là. Sans le remarquer, on lui a donné l'opportunité de s'intéresser, de s'introduire dans le monde de la musique. Alors qu'en vérité, peut-être que dans la maison, il n'y a pas une cassette de musique. Kainolallah. Laquelle on a rentré un média, c'est comme un voleur qui est rentré sans le remarquer. On vous rapporte aussi que tout ce qui est les clips. Certains jeunes, quand des fois les parents ne sont pas là, faites attention. Wallah, Ikhwan, maintenant, et c'est peut-être drôle ce que je vais dire, je demande à certains parents s'ils sont encore, s'ils ont la TV dans le sang, qu'ils vendent leur TV, qu'ils achètent une avec code. Parce que maintenant, il y a des chaînes, tu peux mettre des codes dessus. Tu mets un code à 20 chiffres et tu lui bloques les chaînes. Combien de parents se plaignent pas sans l'enfant, il le sait même pas. C'est les voisins qui ont balancé ça, qui lui disent, ah, Milhaj, quand tu sors, c'est une boîte en bas. Parce que MTV, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme chaîne ? Il y a une deuxième très connue. MCM ou la CMM ou la machine. Il y a une deuxième chaîne. Des clips du matin au soir. Et des fois, qu'est-ce qu'on fait ? On part à un mariage et on laisse ce qu'on appelle ces victimes, ils sont là, ils sont déposés. Et ils s'amusent alors à ce moment-là à mettre les chaînes qu'ils veulent. Et parmi ces chaînes-là, que disent les chercheurs ? Ils vous disent que c'est important parce que certains clips vidéo ne font en sorte que aggraver le caractère des fois pas très stable du jeune. Vous savez ce qui passe dans les clips vidéo, il y a les parents, il y a les frères et sœurs. On le sait, on a été jeune, on a vu ça, on sait ce qui passe dans les clips. C'est que des femmes dénudées, des Américains noirs avec des décapotables à crever, et le jeune il te met le CD et il rêve pendant une heure. Puis quand il ouvre les yeux, où ce qu'il est, Moulembeek plage. Et tu le trouves tout cassé, parce que ça a joué dans son moral. Et c'est pour cela, chers frères, chers parents, regardez dans nos rues, et regardez dans nos familles combien de jeunes rêvent de travailler pour faire quoi ? Pour acheter sa première décapotable et puis ils passent dans le quartier et on est les premiers à les insulter en disant « Allah ala tarbiya d'rehk » On commence à insulter. Pourquoi, chers frères ? Parce que la première chose qu'il fait, décapotable, après le mois de nettoyage, là, décapotable, et puis il va à tel et tel magasin en ville, il achète des sous-woofers, il enlève le coffre arrière, il les place là, et puis comme un jeune, 40 fois le tour du bloc, il met 1000 francs d'essence et il les fera pendant 3 heures. Ça, on regarde maintenant, mais on ne sait pas quand est-ce que c'est rentré dans le comportement. On n'est pas au courant quand est-ce que c'est rentré. Et pour terminer, il y a aussi ce qu'on appelle l'Internet. L'Internet, chers frères, il peut être positif. Il y a des sites
hein, sur l'islam, rencontrer avec les chouyours, le pal talk, discuter et entendre des conférences. Mais ce qu'on oublie, il y a aussi le pal talk quand on ouvre le, hein, ceux qui s'y connaissent en internet, quand on ouvre dès que la petite fenêtre, on vous dit pal talk, donc site musulman, et puis on vous dit rencontre, et puis on vous met plus de 18 ans. Eh bien, certains ont rentré l'internet, certains parents, jazahumullah, ont rentré l'internet en disant mes enfants vont s'habituer inchallah au site musulman ou ceci ou cela, mais ils sont pas au courant de ce qu'il y a dans internet. Il y a aussi des sites pornographiques, il y a aussi des sites de pédophilie, wallahoubillah. Il y a des sites où vous avez ces chiens de pédophiles qui commencent à discuter d'une certaine manière parce que c'est un art et ils attirent vos enfants et ces enfants discutent avec eux. Et certains ne sont pas au courant qu'il y a ces sites. Wallah, chers frères, chez nous au centre, on a internet et des fois, subhanallah, tu es en train de travailler sur internet et vous savez ce qui apparaît comme image? Des images de sexe, comme ça. Il t'apparaît sexe plus 18 et il te met cliquer ici, enter. Wallah, il faut être solide, ikhwan. Wallah, l'adim, il faut être solide. Il faut être sûr quand tu sors de ta maison que ce jeune, mashallah, c'est un béton armé et qu'il va avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala avant d'appuyer sur enter, parce que c'est qu'un doigt qui bouge, celui-là. Enter, click. Haïda, tu es en train de travailler et t'as là une petite image qui sort, pas avec des photos, hachakoum, loin de là, oh, audoubillah. Non, non, c'est seulement une invitation qui te met, haïda, sexe plus 17, 18 et te met enter, bienvenue. Et des fois, shaitan, il peut te dire, oh, non, on joue pas avec ça aussi. Et pour terminer, il y a beaucoup de recommandations. On demande aux parents de changer ce qu'on appelle, et même nos jeunes, de changer de programme, de manière, comment est-ce qu'on fonctionne. On demande aux parents de discuter avec leurs enfants. Que lorsqu'un parent, par exemple, interdit à ses enfants à un certain âge de voir la télévision, même s'il va faire l'erreur plus tard, on lui parle quand il est encore conscient et qu'il interdit ça, c'est bien de discuter avec l'enfant. Pourquoi est-ce que je t'interdis de voir telle et telle chose? Vous savez pourquoi? Parce que l'enfant, des fois, il pense que tu lui fais du mal. Donc, il faut parler avec lui. On demande aussi aux enfants, aux parents, même les imams, de discuter de ces sujets-là, même en arabe. On demande aussi, donc, à certaines familles, au lieu de rester pendant 3 heures devant la télévision, il y a parents, il est préférable de prendre tes enfants, de les mettre dans ta voiture et de faire 20 fois le tour du bloc que de rester devant un film. Il est préférable de prendre tes enfants et d'aller faire un tour quelque part, d'aller voir la famille, silat al-rahim, que de rester devant la télévision pendant des heures, des soirées entières. Et on demande aussi aux mosquées, aux écoles arabes, d'entrer ce genre de sujet dans leurs cours. Pas seulement venir à l'école arabe et apprendre baba toutou pendant 10 ans, mais de parler de tous ces sujets. Parce que, et ça reste mon avis, il faut une réforme dans certaines écoles arabes, dans tous ces domaines qui touchent le social ces derniers temps. Donc il y a beaucoup de choses à dire, lakin inshallah, j'espère que c'est pas spécialement pour vous dégoûter, loin de là. Lakin, c'est pour que le musulman sache qu'il a une responsabilité sur terre et il sait que le jour du monde dernier il rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a vu ce que tu as fait sur terre, et tu sauras que tu seras questionné à ce moment là et chaque minute, ya ikhwan, chaque seconde de ta vie, elle va passer devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et en plus, chaque père, chaque mère sera questionné, parce qu'on est comme des bergers qui seront questionnés sur les petits moutons qu'ils avaient, est-ce qu'on les a bien surveillés ou pas. Donc sachez que c'est une responsabilité que l'on a entre les mains. Et comme vous le savez, tout n'est pas simple. Au plus il y a de la technologie, au plus les choses sont compliquées. Donc à nous d'être bien réveillés, inchallah, par rapport à toutes ces nouveautés qui rentrent dans nos demeures et auxquelles on ouvre la porte grande ouverte et on leur dit marhaba, marhaba, sans se poser des questions. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilayk. Jazakumullah. Donc c'est gentil d'avoir patienté. Là, c'est un sujet quand même qui est assez important de nos jours. Il y a des questions, lakin, comme je le dis souvent à tous les frères, je ne suis pas celui qui répond dans le halal et le haram. Ce n'est pas ni ma vocation, ni mes connaissances, ni ma compétence. Si c'est des petits conseils, bismillah, si c'est du halal ou haram, on les garde quand il y aura ce qu'on appelle les vrais chouyours, pas nous. Nous, on est mouim. Comme disait un des chers, nous, on est ceux qui apportent la valise ou bien qui apportent le thé pour verser. Donc, je ne rentrerai pas. Il ne faut pas de questions halal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala mabawati rahmatan lil alameen. Il y a pas mal de questions. On va essayer, avec le temps qui nous reste, de faire passer le maximum. La première, il faut changer la TV. Mais ne faut-il pas changer aussi le système? Par exemple, l'école, le système de vie, l'atmosphère de la vie. Comment faut-il changer tout ça? La TV est une partie, mais pas la cause de tout. Wallahi, chacun a sa manière de voir. Chacun a sa manière de voir dans ce domaine-là.
chacun a ses opinions, chacun peut avoir raison. Lakin, ce qu'on rappelle, hna, notre communauté, je ne vais pas maintenant enclencher mon côté qui est très connu, dégoûté, loin de là. Lakin, notre communauté, on se plaint de beaucoup de choses, mais on ne bouge pas. Il faut être honnête. La personne, la question, on a parlé d'école. 500 000 musulmans en Belgique, 30 ans de présence minimum, une seule école musulmane qui est casée dans un centre islamique. Yarhamoukallah, louée, prêtée, gratuitement. On n'est pas foutu de lancer une seule école. Par exemple, Wallahi, c'est le seul exemple, simple. On n'a rien préparé pour notre communauté. Chaque fois, nous, on est une communauté de complexés. Chaque fois qu'on veut se présenter ou bien proposer quelque chose, on te dit « Matayyarch ». Comme m'a dit une fois un père, il m'a dit « Wa toumad les jeunes, chalfikoum tzda ». Vous voulez plein de choses. « Khalioum jazahoumullah, ils nous ont accueillis. » Ya abi, oula ya ammi, oula ya sahbi, oula tout ce que tu veux. Ils t'ont accueilli pour te fra à toi, ta santé. Là qui nous, alhamdoulilah, ils nous ont pas encore fra. Alors c'est pour ça qu'on demande, qu'on se renseigne. C'est ça le problème qu'on a dans cette communauté. On est complexé, on n'ose pas. Nos parents, jazahoumullah, ils ont bâti beaucoup de choses ici. Certains sont morts à cause de certains. Donc, alhamdoulilah, l'amr biadillah. Et lorsqu'on va voir le pourquoi, on décortique ce corps, on trouve des cancers à cause de l'amiante. On a des parents msakin qui ont travaillé dans l'amiante pendant 30 ans de leur vie. Et tu es assis devant ton père, il se gratte toute la soirée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient et qui sympathise pour lui? Un ministre ou autre qui vient lui dire « Oh, msakin, pauvre papa Mohamed, tu te grattes maintenant, hein ?» Eh bien, continue à te gratter parce que tu en as jusqu'à ta mort, parce que cette maladie, on ne sait rien y faire. Non. Alors, c'est pour ça qu'on essaye des fois d'attirer les jeunes vers ce genre de discussion, même si elle est un peu morose, même si elle embête, pour leur dire « Réveillez-vous. » Nos parents les ont employés pour casser du béton. Eh bien, à nous de dire que non, on a nos papiers, on est belge maintenant, comme ils disent, entre guillemets. Après, ça ressemble pas. Là, qui nous vous demande à ce moment-là, au moins, je dis bien au moins, de savoir qu'il y a d'autres choses qui peuvent aider dans ces problèmes, comme dit peut-être la personne, que c'est une partie. Eh bien, Yahouan, wallah, si j'efface cette partie qui est la TV, si je pense dans la communauté à ce qu'on appelle l'école, entre guillemets, musulmane, si je pense à bien d'autres projets, eh bien, petit à petit, on arrive. Là, qui nous, on discute, on fait des remarques, mais il n'y a aucun projet qu'on lance. Ça, c'est le problème qu'il faut alors discuter à ce moment-là. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum. On ne peut pas se passer de la TV. Et comment faire sortir alors la TV de notre vie familiale, shukran? Wallah, je dirais à ce frère qui pense à son grand-père et à sa grand-mère. Il n'y a aucun qu'on a entendu à Erwan dire que mon grand-père est mort d'une crise nerveuse. Alaj, on lui a enlevé la TV. Ou bien ma grand-mère est morte avec une crise cardiaque. Alaj, parce que mon grand-père lui a enlevé la TV. Erwan, subhanallah. Quand on fait ce genre de remarques, c'est comme si on admet, et je suis pas fâché sur cela qu'il a posé, hein, c'est parce que on rentre dans le sujet, comme on dit. Quand quelqu'un pose la question de cette manière, c'est comme s'il avoue que c'est devenu comme une drogue. Et ça, Ikhwan, c'est pour ça que la question, elle est très très bien, elle est pertinente, elle est très très importante. Celui qui ressent ça doit savoir qu'il y a un problème quelque part. Celui qui tu lui dis, enlève la TV, il te fait, oh Allah, kadadi. Non. C'est vrai que je suis pas là pour vous dire, enlève ta TV, c'est fini, zoul. On vous dit, gère-la. Tout ce qu'on demande. On a tous des TV à la maison. Là, qui nous met la parabole. Même la parabole, bon, je voulais en parler tout à l'heure, mais là, on l'a rentré aussi, la parabole pour des sites musulmans et tout ce que vous voulez. Là, qui, ces derniers temps, même des sites musulmans, tu ne sais plus les regarder. Tu as une femme pseudo-hijab et tout ce que tu veux. Là, qui, tu peux pas regarder l'émission. Alors qu'elle a le hijab, maquillée de la tête jusqu'aux pieds. Tu ne peux même pas regarder. Alors que c'est parabole, c'est sites musulmans et tout ce que tu veux. Par exemple. Non, au contraire. Donc, il y a. Vous savez, chaque chose. L'être humain, il s'accoutume d'après les habitudes, d'après comment est-ce qu'il a aimé la chose. C'est pour ça qu'on s'y rattache trop. C'est parce qu'on l'a trop rentré la chose dans le cœur. Là, qui dans certains sujets, din, ça, on n'entend pas des remarques style « Je ne peux pas enlever Qiyam Layl, Ikhwan. Qiyam Layl, je ne peux pas l'enlever. » On n'entend plus ça, parce qu'il n'y a pas de Qiyam Layl. De temps en temps, à gauche, à droite. Allah. Par exemple, hein, on ne veut pas dire qu'il n'y a plus de khayr. A'oudou billah. On connaît quelle est la sentence de celui qui dit qu'il n'y a plus de khayr dans la communauté. C'est pas ça qu'on dit. On dit seulement que certains principes sont importants de la religion, on les a délaissés. D'autres ont dit que c'est très dur de les enlever. Donc on doit se poser des questions. Le frère dit, j'ai 25 ans, ma femme 22, ma fille 1 an et demi, mon fils 2 mois. Je suis dans le cas où, quand je regarde la télé, Wallah, je n'entends plus rien de ce qui se passe autour de moi. Alors comment peux-tu me conseiller en rentrant chez moi pour changer cela? Car cela touche beaucoup mon foyer et ma religion, en un mot, ma vie. Wallah, première chose, en entrant, c'est bien de faire ce qu'on appelle une table ronde. S'asseoir avec son épouse ou bien les parents qui sont présents, s'asseoir avec leurs enfants et faire ce qu'on appelle un mini gouvernement, discuter. Chose que des fois on ne fait pas, on discute.
Et si tu veux que ça soit constructif, attends, Inch'Allah, que les frères sortent la cassette peut-être. Et à ce moment-là, tu décortiques point par point. Et chaque point qu'on a cité, à ce moment-là, tu peux refaire passer la cassette avec tes enfants ou bien ton épouse et lui dire « Ajia Zawj, Ajia Zawj » par rapport au point qu'il a cité. Est-ce que c'est vrai qu'on regarde le haram ou pas par rapport à ceci? Et là, tu peux décortiquer. Kaina oulala. Maintenant, c'est vrai que j'espère que vous n'allez pas maintenant rentrer et que j'aurai créé ce qu'on appelle les bagarres à la maison. Il y a des frères, maintenant, ils vont rentrer, ils vont lui dire « Ajia Nati, Ajia Zawj ». Non, c'est pas ça que je veux. A'oudhou billah. Ça, j'ai pas envie que demain... Le frère qui va venir parler sur le divorce, il y en a plein qui vont lever la main. Ouais, grâce à la conférence d'hier, ta'ounouna, jazakoumullah. Non, discutez, ouais. D'accord. Donc aujourd'hui, peut-être la discussion, ça sera bien sûr qu'est-ce qu'on a retenu. Et la fois d'après, Inch'Allah, quand la cassette sort ou autre, il y a même d'autres livres. Croyez pas que j'ai apporté ici la révélation de l'année, loin de là. Hein. Ça existe peut-être dans d'autres ouvrages aussi. Et là, alors on décortique, on s'assit. Parce que, alhamdoulilah, dans nos familles musulmanes, on doit s'asseoir, on doit discuter. Kaina oulala. Comme on discute avec le mara quand des fois il y a une facture 60 000 qui vient et qu'on lui dit à ce moment-là, Agles, le psala que tu voulais, Zouel, ça que tu voulais, Zouel, et on commence à discuter. Kenolella, ben pour la religion, on va faire la même chose. Et si pas plus. Excusez-moi si je rallonge des fois dans les réponses. Une sœur qui pose la question, j'ai un mari qui ne voit pas le mal dans le fait de regarder la TV. Je lui ai expliqué 20 fois, mais il ne change pas. Et lors des conférences, il travaille ou il est occupé. Comment le convaincre? Comment le convaincre? Barakallahu fik. Première chose, Inch'Allah, et on l'espère, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour lui. Très très important, l'invocation. Deuxièmement, si ça ne va pas, essayez, je dis bien, essayez, en schleid comme on dit, d'aller louer une cassette par exemple, que ça soit audio et vidéo, sur ce sujet-là, et l'obliger à écouter le sujet. Ça va passer, Inch'Allah, plus tard en vidéo par exemple, faire passer ça. Si ça ne va pas, parce que des fois on n'aime pas directement parler aux autres, si ça ne va pas, on passe alors à ce moment-là à ce qu'on appelle une petite rencontre de famille. Que ça soit avec quelqu'un qu'on sait que lui respecte. Un oncle ou bien son père et ainsi de suite. Et on fait intervenir quelqu'un. Une naseha, un conseil. Si après Allah fadha, il reste dans cet état-là, on demande à la sœur déjà de pas faire comme lui, de rester assis et de subir avec lui ce qu'il est en train de faire, loin de là. Mais à ce moment-là, c'est plus de ma compétence. Il faut contacter les savants et voir à ce moment-là s'ils ont d'autres conseils meilleurs que les nôtres. Mais nous, on demande seulement discuter au début, invoquer, et faire intervenir quelqu'un et ainsi de suite. Un frère qui pose la question, comment faut-il s'informer car Allah nous appelle à savoir ce qui se passe dans le monde. Il nous appelle donc à savoir ce qui se passe, c'est dans le même sujet. Vous avez parlé sur les inconvénients et pas sur les avantages, expliqué par exemple la chaîne. Ah, c'est ce que j'ai dit il y a deux secondes quand le frère demande, ou la sœur, je ne sais pas qui c'est, sur Iqra, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure pour les avantages qui peuvent même être des inconvénients. Je vous donne un petit exemple, Yahouan. Prenez Iqra. Il y a du bon et du mauvais. Kéno, il faut être honnête. Chien Khafon Koloa, ça fait le seul site, Aoudi va nous le casser. Non, c'est pas ça. Hachalillah. Lakin, c'est bien d'écrire des lettres et de conseiller les frères. Quand tu as des émissions qui te parlent, qui t'apportent par exemple deux ou trois émissions d'affilée, et on a eu la blague parce que bon, j'avais pas de parabole avant, je viens la mettre dernièrement. Et quand, hein, pourquoi? Parce qu'on se disait, ouais, il y a Tarawih, il y a ceci, il y a cela. Puis quand tu vois une bonne femme qui vient là, et ceux qui connaissent Iqra l'ont vu. Tu peux pas regarder. Tu te lèves et vas dans un autre salon. Faut être honnête. Il est dans la rue, tu regardes pas une sœur qui est voilée. Comment tu fais à la télévision alors? Comment tu vas faire? Ad maquiller tout ce que tu veux. Comment tu vas faire? Et s'informer, ça contredit pas ce que j'ai dit. Loin de là, au contraire. Là qu'il y a une manière de s'informer. Et soyons honnêtes, chers frères et sœurs. Sur une journée, par exemple, sur une chaîne. Parce que exprès, j'ai dû acheter ce qu'on appelle un programme, ça y est, avec style télémoustique et compagnie. J'ai acheté, j'ai calculé. Combien d'informations sur la journée on passe? Prends le cas d'une chaîne, pour ne pas les citer. Tu as un journal qui dépasse pas maximum 20 minutes à midi, c'est-à-dire à 1 heure. Et puis tu en as à 7 heures. Combien? 20 minutes. Et souvent, subhanallah, sur une chaîne bien connue, c'est le même journal que l'après-midi. Alors tous les restes des heures, quelle est l'information que le frère ou la sœur veut citer, par exemple? Il y a des moments, mais est-ce qu'on est au courant des émissions bien structurées qui passent à telle et telle heure? Que ce soit dans le domaine scientifique, culturel qui aide nos enfants et ainsi de suite. On n'est pas au courant. C'est pour ça qu'un des chercheurs, là où j'ai pas lu, un des chercheurs demandait qu'on soit au courant des heures et des programmes qui passent. Nous, on regarde la TV au vol. Nous, on met, il y a une vdehaad, on change. Parce qu'on n'est pas au courant ce qu'il y a. Donc lorsqu'on dit de s'informer, lorsqu'on décortique les chaînes, c'est des minutes, ou bien peut-être une heure, entre guillemets. Et qui va discuter sur les deux autres heures, ou bien si tu es en congé un samedi, sur peut-être les 5 heures que tu es devant? Est-ce que c'est 5 heures d'information? Non, pas nécessairement.
Donc c'est pour cela que les autres détails rentrent dans le domaine de certaines chaînes. Il y a une chaîne très belle, Al-Majd, à qui nous, on n'est pas assez riches, il faut des cartes. Ils nous ont mis ça pendant quelques semaines, puis après ils l'ont enlevé. Je crois que ça marche avec les cartes, mais non, c'était un Beth Tajribi, comme ils disent. Hein, on essaie. Donc il y a des belles choses. À qui l'on demande la structure, au salam. Que faut-il dire aux enfants quand le père lui-même regarde MTV et Star Academy malgré... La rahmouk, c'est ce que je lui dis. Malgré, je ne sais pas. La dame ajar, comme on dit. Non, c'est vrai, c'est une question, wallahi, qui fait mal au cœur. Mais c'est des réalités, Erwan. Moi, je ne veux pas... Vous savez, quand vous travaillez dans le social, il y a des vdayars que vous entendez. Et si vous voulez, un jour, on peut passer une nuit qu'on va appeler la nuit de la dégoûtage. Je vous raconte ce qu'on nous raconte. Très long. Il y a même des exemples, je ne les sortirai pas car ça dépasse les animaux. Allah. Et de frères même, hein, c'est-à-dire musulmans comme on dit. Quand le père regarde et autres, ça ressemble peut-être à la première question tout à l'heure. Je suis sûr qu'il y a des savants qui seront, comme on lit dans certaines fatwas, qui seraient peut-être prêts à dire à la femme même de divorcer peut-être. Allahu alam. MTV, vous savez ce qui passe à MTV ? On se renseigne. Hein. Des voisins qui ne sont pas musulmans et tout, hein. Des fois on rigole exprès. Hein. T'as combien de chaînes et tout ? C'est comme ça qu'on est au courant. Vous croyez que j'ai d'abord dansé avec MTV pour venir vous parler d'MTV ? Ah ouais, on peut se dire, tiens, MTV ? Inch'Allah, cher, MTV. Non, on se renseigne. C'est vrai que l'expérience des jeunes nous ont appris beaucoup de choses. J'ai arrêté de regarder la TV avant le mois de Ramadan, étant donné que je ne vois que de la calomnie sur les musulmans. Est-ce une bonne solution ? Je me sens bien quand je ne la regarde pas. Je serais pas à dire grand-chose à ce sujet-là. C'est parce que c'est des réalités. Ça rentre dans le sujet qu'on a expliqué tout à l'heure, les stéréotypes. C'est vrai que de nos jours, une bonbonne, elle explose, c'est les musulmans. À Charleroi, il y a peut-être une inondation, c'est les musulmans. Ouais, regardez le journal, vous allez voir. Il y a, ces derniers temps, c'est comme ça. Il y a un avion, même sans pilote, qui tombe, les musulmans. Vous voulez d'autres exemples ? Prix des tomates augmente, c'est les musulmans. Allahu alam, je sais pas où, ouais, parce qu'on nous a collé la crise boursière, pétrolière. Il y a beaucoup de calomnies, c'est vrai. Quel musulman, alhamdoulilah, il doit pas être touché par ça. Peut-être c'est drôle ce que je vais vous dire, mais pensez au prophète, le meilleur des êtres humains. Il a été touché par quoi ? Pire que ce qu'on entend aujourd'hui. Il a été insulté, rabaissé, traité de mjnoun, sahir, tout ce que vous voulez. Donc la communauté musulmane, alhamdoulilah, hein, et même Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, est-ce qu'on pense que, hein, on a dit seulement qu'on a cru et qu'on ne va jamais tester ? On ne va pas subir de test ? On va subir ces tests, comme l'ont subi ceux avant nous. À qui l'on demande, inshallah, comme on dit toujours, hasbunallah wa ni'mal wakil. C'est tout ce qu'on peut dire. Il y aura toujours ce genre de choses. Et comme vous le savez, wa la yarda'an kal yahoud wa la nasara hatta tattabi'a millatahum, c'est tout. Jusqu'à ce que tu vas peut-être ressembler ou faire ceci ou cela, peut-être on va t'aimer. Lakin ça, le temps passe, comme on dit. La caravane, comment ils disent ? La caravane passe et les chiens ils aboient, c'est ça. Est-ce qu'il est mieux de laisser mon fils sortir avec les voyous ou bien le garder à la maison et qu'il regarde la télé ? Non, ça c'est pas un business à faire, ça. C'est pas une question de se dire imma wa illa. Non. Là, subhanallah, ce sont deux sujets à étudier. Là, on doit pas être défaitiste. Ah, subhanallah. Ça a une réponse chara, et qu'on ne peut pas fonctionner avec le même système et venir dire je le lâche et les voyous, qu'est-ce qu'ils vont lui montrer? C'est que Allah, avant de les appeler les pauvres voyous, Allah, c'est tout ce qu'on peut souhaiter à notre jeunesse aussi, à cette petite quantité de jeunesse, pas tout. Qu'est-ce qu'il va faire aussi? Est-ce qu'on a étudié les séquelles que ça peut amener? Non, au contraire. Que, vous savez, c'est ce qu'on demande, et j'espère que les frères parleront de ça dans les autres conférences, il faut qu'il y ait un retour à la communication. C'est comme il se passe dans les gouvernements, hein, on appelle les autres à s'asseoir à la table, bien pour discuter, c'est ça qu'ils font. Mais il faudrait que nos parents ramènent les jeunes à la table, et qu'on revoie la manière de discuter. Et ceux parmi vous qui ne sont pas mariés, Inch'Allah, qu'ils en prennent une leçon, apprenez à discuter avec vos enfants, parce que l'affaire n'est pas simple. Les dessins animés où il y a de la musique, est-ce qu'ils peuvent être regardés par les enfants ? Je ne rentre pas dans le halal et le haram. Demandez ça parce que là, vous donnez mon avis, vous allez me dire ouais, qui tu es toi pour donner ton avis. Demandez ça au chouyour, Inch'Allah. Le paltalk pour rencontrer une sœur, est-ce permis ? Ah, oubillah. C'est ces derniers temps, Allah, les frères et les sœurs, ils excellent.
Ils ont tellement posé de questions au shuyukh. Est-ce que je peux sortir avec elle? Haram. Est-ce que je peux lui envoyer une lettre? Haram. Est-ce que je peux lui téléphoner? Haram. Elle n'a pas le talk. Elle est à 100 km. Qu'est-ce que tu vas me dire? Haram. Il n'y a pas de khulwa, il n'y a rien. Elle est à 100 km. Et je parle à quoi? Je parle à un son virtuel qui sort du fil, du câble. Qui ne sait pas comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris pour se marier. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris même comment rentrer à la toilette, Irwan, même comment en sortir, même comment avoir des relations avec son épouse, il n'a pas étudié comment choisir son épouse. Subhanallah. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le compagnon, j'ai oublié son nom, je crois que je ne sais plus si c'est Abadar, quand il est venu chez lui, qu'il lui a dit je me suis marié, il lui a dit est-ce que tu l'as vu? Qui se rappelle, est-ce que c'est Abadar ou pas? Parce qu'il l'a renvoyé, il lui a dit qu'il y a dans les yeux de l'Ansar quelque chose, je ne sais plus si c'est Abadar ou... Hein? Qui se rappelle de l'histoire, du hadith plutôt? Ala kulli hal, pour ne pas se tromper, on enlève le nom du compagnon au cas où. Lakin, on a des exemples comme ça, sur le choix, le comment, les enquêtes, pas sur... Vous savez, un frère Imra... je crois qu'on terminera peut-être là une dernière question. Un converti, venu chez moi au bureau, dégoûté, par la loutte de Marra. Ah ouais, je me suis farnaqué, je me suis fait ceci. Pour là, c'est la même réponse. Le comment? Il m'a dit, moi, je me suis converti à l'islam, je suis rentré dans un site et j'ai dialogué. Ce même, c'est là qu'une sœur au Maroc. Et mashallah, c'est une musulmane de la mort. Elle aime bien l'islam, elle aime bien Kadal. Et je dis, ouais, le problème. Et on a dialogué pendant un an. Un an, c'est le temps pour que le cœur il se rattache, mais l'amour et tout ce que vous voulez, ah, ça a du sang à l'heure. Il m'a dit, j'ai payé un billet d'avion, je suis descendu au Maroc. Il m'a dit, quand je l'ai vu, tchlat. Je lui ai dit, c'est toi qui parlais talpolk? On n'a pas le talk, comme vous voulez. Il a dit, non, c'est moi. Ah, non, non, je crois qu'on s'est trompé. Pour rigoler, il m'a dit, j'étais à De Broucker avec Internet, ça m'a coûté 15 francs. Mais la déception, elle m'a coûté un billet d'avion aller-retour, machaqué, la famille là-bas qui voulait me tuer, parce que t'as fait tomber la fille dans le désespoir, la honte dans le quartier, parce que Aïcha, elle va monter avec, hein, elle va monter en Europa. Et le paltalk, c'est pas que le Maroc. Hein. Et des fois, le paltalk, certains savants même dans les sites internet vous disent qu'il est haram, dans certains ils vous préviennent même de certains sites, et vous disent qu'ils sont haram complètement. Qui plus est, les sites de discussion. Parce que souvent, ça vire vers « comment es-tu »« Décris-toi ». C'est pas un comportement enseigné par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas comme ça qu'on cherche son épouse. Wallah, je serais jamais fier de dire « ah, le frère, je me suis marié, hein. Oh, Saada, comment t'as fait ?»« Wallah, je l'ai trouvé dans un ordinateur. » Paquet cadeau. C'est pas comme ça, même nos parents l'ont pas fait comme ça. On voit bien que c'est pas une sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. C'est pas de cette manière là qu'on cherche une épouse. Wallahu a'lam, peut dire que je suis un peu arriéré peut-être, et qu'il ne sait pas comme ça qu'on nous l'a appris. Et pour la dernière question, la sœur demande, que faire lorsque mon mari regarde d'autres filles, même quand je suis là? Pourtant il sait qu'il doit baisser le regard, mais il dit que c'est plus fort que lui. Que dois-je faire? Barakallahu fik. Qu'est-ce que vous pensez de la communauté? Nashat, hein? Kéla ou lalla? Allah subhanahu wa ta'ala a demandé ce qu'on appelle, hein, on l'a dit tout à l'heure, baisser les regards et ainsi de suite. Il y a des traditions prophétiques. Si on résume, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle, فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. On résume peut-être trop vite. C'est là qu'il a délaissé, hein, cette sunna, tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire même comportement du prophète, et puis des miens. On est de qui à ce moment-là? On appartient à quel groupe à ce moment-là? Wallahi, un frère qui arrive à ce niveau-là, si jamais il nous entend, qu'est-ce qui reste entre lui et ce qu'on appelle des youth? Vous savez c'est quoi des youth? Celui-là qui a plus de fierté, plus de jalousie, plus de ceci, plus de cela. C'est grave. On n'entre même pas au paradis, wallahi, sans même pas son odeur. Comment on peut avoir ce comportement? Comment on peut se dire musulman? Comment on peut dire ashhadu an la ilaha illallah? Comment on peut venir faire sa prière? Comment on peut venir après dire Allahu Akbar alors que c'est les filles qui sont Akbar? Comment on peut faire? Comment? Quel cœur a cette personne? Allah, on invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour cette sœur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne de la patience, qu'il ouvre aussi les yeux de ce gars-là, hein? Et que, comme on a dit pour la première,
qu'elle essaye de remédier à ça. Parce que ce n'est pas une excuse de dire non, c'est rien, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'entend des fois, Allah subhanahu wa ta'ala, b'tala, il lui a donné un examen sur terre, il regarde les filles, mskin. Non, il n'y a pas de mskin là-dedans. Allah, si quelqu'un, Ikhwan, a cette maladie ou sent que cette maladie lui commence, qu'il a intérêt à revoir beaucoup de choses dans sa foi, dans sa pratique religieuse. Parce que ce sont des preuves, ceux qui commencent et qui regardent comme ça les filles à gauche à droite, c'est des preuves qu'ils ont déjà des problèmes dans leur pratique religieuse, dans l'aqidah dialoum, dans leur foi, leur crainte. C'est vrai ou pas vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ce sont des signes, ça. Ce sont des signes. On ne regarde pas là, une fille ou une femme d'un autre ou quoi que ce soit, l'aïdoubillah. C'est interdit. Je crois que vous le savez tous. Ou hasbounallah, sincèrement. Parce que, vous voyez, des mères, des épouses, je suis sûr que peut-être en écrivant, elle a pleuré, peut-être ça. Allahu alam. Parce que comment on peut vivre? Même nous, on n'accepterait pas en tant qu'homme. Tu es avec ton épouse et tu sais qu'elle, elle aime les autres, celles qu'elle regarde à l'extérieur. Comment tu vas vivre? Tu vas l'accepter? Alors comment est-ce qu'on peut l'accepter, nous, pour nos épouses? Wala'idu billah. Ala kulli hal. Comme vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses, inshallah, à corriger. Là, qu'il y a aussi beaucoup de bien. Et on espère que vous en tirez profit, vous tirez profit de toutes ces conférences qui viendront. Et on espère qu'il y aura d'autres colloques, car c'est quand même exceptionnel de voir quand même. Je vais finir, hein, parce qu'il y a 36 signes derrière. Wala'idu ta'ayyar, je vois. Donc je vais arrêter. C'est vrai que c'est de temps en temps qu'on se rencontre. C'est pour ça que je le dis à certains frères qui sont peut-être pressés et qui n'ont Allah une minute en plus, hein, dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'adoration. Là, vous la trouverez en qiyama, je ne sais pas moi, de la taille d'une montagne. Qui nous, on est très pressés. Il y en a plein qui calculent peut-être les minutes. Celui-là qui travaille, je le comprends. Là, ce sont des sujets très très importants. On en a marre d'écouter toujours les problèmes. Donc, soyez pas vite pressés. Ça va? سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمه الله.